Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je nous invite à prier avec la première lecture du jour, à la méditer et à prier, afin d'incliner et de toucher le cœur de notre Seigneur. La première lecture de ce jour est dans le livre de Ruth. Noémie avait un parent du côté de son mari, Élimélec. C'était un riche propriétaire du même clan, il s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boaz du clan d'Élimélec. Boaz dit à Ruth, « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches, ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie? » Boaz prit Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël, cet enfant te fera revivre, il sera l'appui de ta vieillesse, il est né de ta belle-fille qui t'aime. » Et qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein, et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait, « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimé de Dieu, fidèle est ton Dieu. Fidèle est notre Seigneur. Fidèle est l'époux de nos âmes. Fidèle est le sauveur de nos vies. Avec cette parole que je viens de lire en ce matin, je veux tout simplement encore déclarer dans ta vie et dans ma vie la fidélité de notre Seigneur. De la même façon qu'il a été fidèle pour sa servante, pour Ruth, pour Noémie, je veux déclarer cette même fidélité-là dans ta vie en ce matin. Il n'est pas un homme pour mentir, car lui-même il dit dans Habacuc, quelle qu'en soit la dureté de la promesse, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu es, quelle qu'en soit la souffrance que tu vis au quotidien, quelles qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit le rejet, moi l'Éternel Dieu des armées, je suis toujours là pour toi. Je suis ton ami, je suis le fidèle allié. Il est digne, il est fidèle.
Et en ce matin, éternel Dieu des armées, je te prie de te rappeler de toutes tes promesses dans chacune de nos vies. De te rappeler, éternel Dieu des armées, de ce que tu nous as promis au travers de ta parole. Et qu'il te plaise, Seigneur, de déverser cela en chacun de nous, selon ce qui réjouit ton cœur, Seigneur. Tu l'as été pour Ruth, alors fais de même pour nous. Parce que nous avons envie de te célébrer, tous les jours dans nos vies, de célébrer dans même nos situations difficiles, Seigneur. Alors lève-toi. Lève-toi en ce matin dans chacune de nos vies. Digne, digne, digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu, digne est le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient. Oui, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin et ma vie t'appartient. Comme Ruth, tu es ce dont j'ai besoin. Alors, éternel Dieu des armées, en ce matin où j'ai élevé ma voix vers toi, que j'ai crié vers toi, que j'ai soupiré vers toi, je te prie par l'intercession de tous les saints, de toute la milice céleste, de tous les anges, Seigneur, de garder ta main sur nous, de garder ta main sur nos foyers, de garder ta main sur nos familles, Seigneur, afin que une grâce particulière nous soit donnée. Une grâce particulière, une grâce particulière. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, et ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, et ma vie t'appartient. Oui, éternel Dieu, je te bénis et te rends grâce pour la vie d'une âme qui te célèbre en ce matin, pour la vie d'un foyer, d'une famille qui te célèbre en ce matin. Toi qui vis éternellement et règne à jamais dans nos vies.
Je te souhaite de passer une excellente journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.